Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Mad Max. Donc, chers amis, on va aller faire les derniers. Donc, normalement, il en reste 4. 4 au total. Les derniers champs de mine. Pour ce faire, on reprend le buggy de Chum. Le classique buggy de Chum. Voilà. Et on va aller se les faire. Hop. Non, c'est pas là qu'était le passage. Hop. On va aller se les faire. Ensuite, on fera les différentes courses. Donc, peut-être pas forcément dans cet épisode. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, les choses à faire qui nous resteront seront les différentes courses, puis les reliques historiques. Il y a un bonhomme ici, on va aller le voir. Puis, potentiellement, les différentes quêtes particulières à faire, donc des gens. Bonjour. Famous slayer of war boys, sawer of nuggets, driver of monstrous machines, and wastelayer of gas-clogging war camps. You are legend. C'est tout ce que tu voulais me dire? Bah c'est gentil. Bon, une fois qu'on aura le dernier V8, on essaiera de faire la voiture la plus performante du jeu aussi. Techniquement. Techniquement c'est faisable. Tu as raison, fuis. Ah non, ils font demi-tour. Ils m'ont vu avec une voiture pathétique, c'est pour ça qu'ils se sont dit hop, on va peut-être pouvoir la voir comme ça. Vous verrez que non, hein, ça marche pas comme ça. Ah, mais il en reste pas déjà une là-dedans? Ou il était pas bugué plutôt celui-là? Voilà. Allez, venez les mecs. Allez, les blacks qui arrivent. Parfait. Pas passé loin pourtant. Hein. Ils repartent dans le mauvais sens. Oh le gros balèze. Ah, dommage. Oh, à côté. Raté. Excuse-moi. Je t'empêche de t'éclater, littéralement. Il a fait le tour ou c'est moi? Allez! Bam! Ça, c'est fait. Eh ben comme ça, je les ai tous eus. D'une pierre au moins 3-4 coups, hein. Allez, viens. Non, t'as pas envie? Non, il a pas l'air d'avoir envie. Hop. C'est dommage, hein. Tiens, le dropping qui menace réduite. Ah, mais il en restait plus que... Oui, c'est vrai, il me semble qu'on en avait sauté sur une ou un truc comme ça. Ça me dit quelque chose, cette histoire. On va monter à peu près par là. On verra bien. Hop. Je pense qu'on va la trouver assez vite, hein, dans tous les cas. Hop. Hop, les... un petit saut pour la forme. Un autre. She flies. J'ai oublié de faire mon... Wow. Et fait l'abri aussi. Il n'y a pas genre rien au bout. Oh, dis donc, elle en chie. Qu'est-ce qu'elle en chie, chers amis? Si vous saviez, nom de Dieu. Hop. On va essayer de rester sur les routes. Pour maximiser un maximum notre vitesse. Et je dis ça, et je la rate. De peu, mais je la rate. Hop. Non, on n'est pas encore aux missions secondaires.
J'ai dit qu'on les ferait potentiellement en dernier quand on aurait le V8 et qu'on aurait avancé un petit peu dans tout le reste. Ce qui risque de se passer en fait, c'est qu'on fasse une mission secondaire et qu'on fasse chercher 2-3 reliques historiques. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Hop. Hop. Par contre, le chien repère rien du tout. J'aime pas ça. Mais alors vraiment rien du tout, hein. C'est pas bon. Hop, raté. Oh, comment ils ont fait ce demi-tour? Bon, le chien, tu peux pas me trouver un truc, s'il te plaît? Ce serait vraiment cool de ta part. C'est pas qu'on est un peu suivi, mais... Mais on est un peu suivi. Ah non, il veut pas, hein. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on est où? D'accord. Peut-être aller voir jusqu'au bout là. On verra bien ce que c'est d'ailleurs. Hop. Sauf si c'est potentiellement dans le coin. Blam, raté ça. Ok, ils ont pas voulu me suivre. Pourquoi pas? Ils m'avaient finalement rattrapé, pourtant c'est con. Alors le chien, tu réagis ou pas? Des bêtes à boum, il n'y en a pas dans le coin? Ah, si c'est pour me dire que c'est parce qu'il n'y a pas de route, qu'on n'avance pas, qu'on continue pas... Ouais, d'accord. Ok, donc c'est pas par là. J'espère que c'est pas par là. On va bien voir. On va suivre la route qui nous dit, hein, comme ça nous permettra de, déjà d'une de changer de région. Ça va pas être top, mais bon. Mais surtout ça nous permet de passer par une route qu'on n'a peut-être pas forcément prise. On verra bien. C'est quand même un beau jeu, je trouve. Hein. Bah, je trouve que c'est un très beau jeu. Hein. Il n'a rien à envier à certaines grosses productions. Vous me direz, c'est une grosse production, mais pas autant que certains autres jeux. Et je trouve qu'il a vraiment rien à envier à ces grosses licences. Alors. Pas de drôle d'odeur d'explosif. Wow! Salut les gens. Et me voilà encore poursuivi. Il y en a qui me rattrape. Hop. Raté. Oula. Il y a une certaine forme d'échec dans cette cascade. Alors. Dégage. Eh ouais. Je grimpe au mur, moi, avec le buggy de chum. J'ai dit quoi? Ah bon? Appelé. Boum.
Alors. Je vois de la fumée blanche. Non, apparemment, c'est pas par là. Et je doute que ce soit par là aussi. Bon. Bon, on va se retéper là. On va repartir vers du sud, vers le nord. Hein. On va le trouver. On va le retrouver. Hop. On va trouver. Je pense qu'on va le trouver. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas normalement de bug connu. Ou inconnu. Hein. Hop. Voilà. Alors. Ou alors ce serait par là? Allons voir. Aïe. On a fait une grosse cascade. What? Je pense que j'ai au moins roulé sur un mec. Ah, ça c'est un caillou. J'ai au moins roulé sur un caillou. Bon bah on va fouiner alors. Tu sens rien? Encore? En train de regarder sur la map à peu près dans quelle direction on va. Bah non, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on vient de faire juste avant. Je dois partir dans cette direction-là. Hop. Je suis con. Je voyais plus à gauche bizarrement. Ah, mais ça veut pas, hein. C'est comme certains jours, Robocraft, ça veut pas. Pourquoi? Excellente question. Mais ça veut pas. Alors. Voyons voir, voyons voir. Ça roule. Ça roule, te dis-je. Bon. Oula. Sens-tu une quelconque odeur, petit chien? Ah, c'est un cul-de-sac, je pensais que j'allais pouvoir passer de l'autre côté. Non, mince. Marche arrière. Elle est presque aussi puissante en marche avant qu'en marche arrière. Trouver quelque chose? Aïe. Effectivement, il y en a une là. En plus, on est suivi par des bagnoles. Enfin, moins par une. Hop là. Mais non, viens par là plutôt. Viens par là, te dis-je. Allez, cours. Boum. Et le une. Hop. Et le deux. Parfait. Et la troisième. Le fait de m'arrêter, hein. J'ai roulé dessus sinon. Bon. Ça, c'est fait. Donc ce côté-là encore est fini. Plus aucune lumière dans cette région. Oh putain. Chez moi, on appelle ça Araduku Takamate. Et oui, c'est du japonais. Pour ceux qui m'auront cru, par contre,
Il serait peut-être temps d'apprendre à me connaître hein, avec le temps. Tu sens quelque chose? Parfait, on y va alors. What? Il y en avait une là? Ok. Elle est pute celle-là, parce que tu te dis, ah j'y vais, et ben non, pouf! T'es mort! Bon, on y retourne en marche arrière. Hop. Oh, une mini tornade. Bon alors. Ah, il veut pas. Ah, si, ça y est. Ok. Et la dernière. Bon, il ne restera plus que 3 mines dans tout le jeu, chers amis. Oh putain, je crois qu'elle était dans le truc juste devant. Hop. Bon, plus que 3 mines dans tout le jeu. On progresse. Toujours pas. Il reste plus qu'un fion. C'est vraiment un fion qui nous reste. Hein. Hop. Allons-y. Allons-y. Hop. Il y a des voitures droit devant. Et elles font toutes demi-tour. Hop, génial. Attends, je suis à fond de cale, hein. Je savais même pas qu'il pouvait aller aussi vite que ça, ce putain de buggy. Ah, Marc, on va gagner du temps. Hein. Hop, 740 pièces de ferraille. C'est bon, ça. Tu sens rien? Ah si. Ah oui, on y est. Ok. Allez, venez les mecs. Allez. Pam 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 pam. Pin, 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 pin. Je m'écarte un petit peu. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Viens par là. Hop, parfait. Je te remercie. Allez, une de moins, plus que deux. Putain, je m'en doutais. Sors, 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 Max! Oh non, de Dieu, c'est pas passé loin. Bon, bah je comptais faire ça sur la dernière, mais écoutez, on la fera pas. La dernière mine maintenant. Ok. Bon, bah voilà la dernière mine du jeu, chers amis. Voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant on va se mettre le dernier V8, succès déverrouillé, des mineurs, faites passer le mot. Est-ce qu'il y a un autre gros message? Non peut-être? Même pas, dommage. Garage, attention j'ai très très peur de la gueule qu'il est censé avoir. Ouh, bah non il est stylé en fait. 4100. Tête de culasse, et on a le plus gros véhicule, on peut avoir le plus gros véhicule du jeu. Alors maintenant on met tout au max. On n'est pas dans Mad Max pour rien, on essaie de mettre tout au max. Ça c'est fait. Ça c'est fait.
Les pneus lisses. Ah, c'est pas vraiment les pneus max. Techniquement, l'adhérence globale, c'est cela. On va mettre cela. Là, on est au max. Nitro, on est toujours au max. Ici, on est au max. Ah, et là, il y a que là, par contre, je vais pas les. Ah, si, je les ai. Cool. Là aussi, on est au max. Ah, j'ai pas le dernier sniper. Dans le ventre du vautour. D'accord. Bon. Le harpon, je l'ai au max. Le truc de feu, je l'ai au max. Brûlez-les tous, forcément. Vitesse de réparation max. Alors maintenant on peut voir les différentes carrosseries. Hop, est-ce que celle-là, ça lui irait mieux? Non. Celle-ci peut-être? Non plus. Celle-là. Ça lui va pas si mal. Dayrolla. Ah, elle est cool aussi. Pour le fun, on va mettre la Wild Hunt. En carrosserie. Qu'est-ce qu'on met? Le jeu en chie à tout recharger en fait. Est-ce qu'on met la rouge? On va mettre la rouge. Par contre, il m'a pas mis là d'ailleurs. Il m'a pas remis là. Le jeu a chié. Je voulais celle-là moi. Hop. On va le laisser charger toute la voiture. Voilà. Fait. Autocollant, on va pas en mettre. Ornement de capot, on va en mettre des cools. Qu'est-ce qu'on a à l'avant? Celui-là, il peut être stylé. Oh non, on va laisser le vélo, ça peut être cool. Bon! Voilà. La poussière retombe. Ok. Bon. Bah maintenant, on va se TP. On va stepper un point, on va stepper là où il y a une course. Une course qu'on n'a pas faite. Là. Hop, on va aller jusqu'avec notre voiture. Donc jusqu'à la course. On va la faire. Hop. Et un instant. Voilà, re, chers amis. Donc on va y arriver. Hop. Donc voilà ce que donne la plus grosse voiture du jeu quand on met toutes les stats à fond et qu'elle est pas équilibrée du tout niveau vitesse, niveau machin, niveau bidule. Donc on a tout mis là, hein. Donc elle est extrêmement lourde à l'avant, etc., etc., etc. On sent qu'elle est à fond, hein. Fait un bruit de merde par contre, hein. Ok, ça c'était beau. Hop. Alors, course dispersée. Belle de guerre, d'accord, ok, c'est bizarre. Piclard ou ange de vitesse? Ah ben, on va prendre Piclard, comme ça on l'aura. Hop. Moi je m'étire un petit coup. Crac crac, le coup. Donc c'est une course classique. Ok, inutile. Là c'est protégé aussi, ok, bon bah pas grave, pas grave. Hop, on coupe. Parfait. Elle tourne pas. De mieux en mieux. Hop. Tu te pousses, s'il te plaît, merci. Alors, niveau vitesse, les autres me surpassent. Niveau accélération, il me surpasse aussi.
Ça se passe très très mal, hein. Enfin, pas trop trop mal, mais la moindre erreur va être fatale. Comme d'hab. Comme là par exemple. Là c'était une erreur. Non. Et vous voyez, le jeu m'empêche de gagner. Pour le plaisir. Hop. Parce que le jeu, ils sont. En gros, le jeu considère qu'ils sont à 4 ou 5 contre moi. Donc voilà. T'arrives à la fin, tu peux gagner encore. Le jeu te bourre. C'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Vous le savez, hein. Mais bon, allons-y. Hop, non, casse-toi. Et en plus, ils ont de la nitro et pas moi. Et bah comme ça. Aïe. C'est de tricher, mais ça va être compliqué. Aurais-je gagné du temps sur la finalité? Je ne sais pas. Ok. Je prends la spi. Ah bah comme ça. Ah bah c'est quoi ce bordel? Il me restait des points de vie ou pas? À tout hasard. J'ai pas fait attention. Merde. Merde, merde, merde. J'ai pas du tout fait attention s'il me restait des points de vie ou pas. Allez, on y retourne. À fond de cale, c'est parti. Hop les. Mais bien sûr. Ah bah oui, non, il m'en restait sûrement rien en fait. Ok, génial. Laisse-moi tranquille. Putain. Vous avez vu ça? D'où ils sortent? Mais bien sûr. Sachant que ça va être très compliqué cette histoire. En plus, les chargements sont hyper longs. Ça va être très très compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Ce qui est marrant dans compliqué, c'est qu'il y a con. Non, putain. Hop, c'est déjà raté. Si j'avais pas pris la putain de maison, je l'aurais pas raté. Nom de Dieu. Il y a moyen de passer là, d'être tranquille pour la moitié de la mission encore. Faut surtout pas qu'ils me touchent au départ, par contre. Ils me font beaucoup trop mal. Non! Oh putain, c'est pas possible! C'est pas possible, jeu de merde! Ah, je vais y arriver! Ah! J'ai posé mes couilles sur le bureau et je vais y arriver! Bien sûr, c'est une image, chers amis. Elle tiendrait pas sur le bureau. Puis le poids ferait craquer le bureau. Plus on en parle,
Non, c'est faux. J'ai une grande gueule et j'ai des couilles. C'est mon gros problème en fait à moi. Non! Pour me faire croire que ça m'a autant ralenti que les autres trucs tout à l'heure. Cassez-vous! Mais non! Emmerdez les coureurs plutôt! Oh mais non! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi gagner la course! Laissez-moi gagner! Laissez-moi aller jusqu'au bout de la course! Je vais la voir! Je vais la voir! Oui! Oui! J'ai gagné! Oh putain! Oh nom de Dieu! Bon, ça c'est cool! Hop! Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc vous retrouvez le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert ce jeu Mad Max et Battlefront. Encore une fois, merci à eux, merci à vous d'être fidèles à la chaîne. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Mad Max. Salut les gens. Et hop.